Yo tout le monde, c'est Camille Scooters. Aujourd'hui, on est au skatepark local. Et vous avez été beaucoup à me demander, du coup, aujourd'hui, on se fait le tuto Brief Flip. Avant de commencer la vidéo, abonne-toi. Genre une vidéo le mercredi et le samedi à 10h30. Abonne-toi, comme ça tu manques aucune de mes vidéos. On va prendre le Brief Flip, on va commencer par le geste. Ok, donc avant de commencer à prendre le geste, ce que je vous conseille déjà, c'est si tu roules de ce côté en régular, faut que tu fasses le bris vers la droite de ce côté. Et si tu roules en goofy, les pieds vers la gauche, tu fais le bris comme ça. Et pas l'inverse, parce que si tu fais l'inverse, en fait, il y a beaucoup de gens qui roulent comme ça et qui font le bris comme ça. Sauf que si tu fais ça, bah, tu peux pas faire bris, oui, tu peux pas faire. Ok, donc moi, je vais vous l'apprendre en régular, parce que je suis régular, donc je le fais de ce côté. Bon, je peux aussi le faire de l'autre côté, mais bon, je vais expliquer un peu moins bien. Du coup, je le fais qu'en régular. Pour commencer, il faut que vous fassiez un X-up avec la barre. Tournez vers la gauche, comme ça. Et dès que vous êtes comme ça, vous prenez la droite et vous la mettez à la verticale. Vous faites le tour comme ça, comme ça, comme ça. Et après, vous revenez. Et bon, après, il faut pas non plus que ça fasse ça. Faut que ça soit naturel, juste comme ça, tac. Dès que vous avez compris vraiment bien le geste, dès que vous êtes vraiment à l'aise, on va passer sur la courbe, juste là. Ok, donc avant de commencer sur la courbe, vous mettez un casque, des jonglières si vous voulez, c'est mieux pour commencer. Et après, vous pouvez attaquer le Brief Flip sur la courbe. Ok, donc premièrement, faites le geste que vous avez appris en flat comme ça, vous faites sur la courbe. Et essayez de faire ça. Comme ça. Et vous essayez d'avoir le plus naturel possible comme si c'était normal, genre à la fin de la courbe. Ok, donc maintenant vous êtes prêts, vous êtes parés, vous pouvez essayer. Donc alors pour essayer, je vous conseille de mettre les mains sur le guidon. Vous les mettez, vous voyez les poignets, vous les mettez à l'extrémité des poignets vers l'intérieur. Ici, pour bien faire le geste comme ça. Parce que si vous les mettez là, vous allez faire un truc comme ça. Donc vraiment quand vous lancez le bris, vous faites un no foot avec les pieds. Vous lâchez les pieds comme ça. Et dès que c'est lâché, vous lancez le bris comme ça. Vous prenez une vitesse, vous prenez une allure normale. Et vous allez taper le pied sur la roue arrière, ça va taper là comme ça, et vous lancez le bris pour essayer de le ramener le plus possible près des pieds. Donc je vais vous faire un essai. Donc pour ceux qui ont vraiment peur de mettre le deuxième pied, parce que j'en connais plein et même moi j'en ai vu en vrai qui font que des trails, ils atterrissent, ils font ça. Alors vraiment dites-vous que c'est psychologique, genre le pied, si vous le mettez, vous allez le mettre, vous allez être content. Faut vraiment pas penser que vous allez tomber sur un bris, c'est impossible, genre. Tu peux pas te faire mal. Donc vraiment, je vous conseille, si vous l'avez vraiment un pied comme ça, vous collez, il n'y a pas de question, vraiment, vous faites ça. Tac. Donc, si le tuto t'a plu, bombarde la barre de like. Et dis-moi en commentaire le tricks que tu voudrais que je fasse en tuto. Je lis tous les commentaires. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait. On essaye de passer les 10 000 abonnés avant 2021. Abonne-toi à mon Instagram. C'était Camille Scooters pour le tuto Brief Flip. Ciao.